Le 18 octobre 1930, naissait à Papeete, sur le front de mer, dans l'ancienne maison Donald, Hubert Coppenrath. De Clément Coppenrath et de Marthe Servan, son épouse. C'était le troisième enfant de la famille, après Gérald et Michel. Le 23 du même mois, Hubert était baptisé, non loin de la maison natale à la cathédrale de Papeete, par le père Gustave Nouvial. Il eut pour parrain Michel, son aîné de 6 ans, et pour marraine sa cousine Estelle Baudin. Je pense que Dieu parle de beaucoup de manières différentes suivant les personnes, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. À une certaine époque de ma vie, j'entendais une voix intérieure qui me disait « Alors, tu sais que je t'appelle, qu'est-ce que tu attends pour répondre ?» Et une autre voix, la mienne, disait « Oh non, 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 pas moi, cherche, choisis quelqu'un d'autre. » Parce que ça me dérangeait. J'avais des projets, c'est pas ce que je voulais. Mais cette voix revenait continuellement et à toutes sortes d'occasions. Alors, un jour, j'ai dit, ben écoute Seigneur, oui. Et là, j'ai ressenti une très très grande joie. Le fait d'avoir dit oui m'a libéré, puis j'ai senti un changement qui se faisait en moi, des grâces qui venaient. Et je crois que on est heureux là où Dieu nous dit. Que je fréquente aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils sont différents de ceux d'autrefois, beaucoup plus individualistes, et ils ne souhaitent pas, comme ceux d'autrefois, qu'on s'occupe d'eux. Ils préfèrent s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes. Il n'y a qu'une seule chose qui attire les jeunes actuellement, c'est tout ce qui est spirituel, les groupes de prière. Je ne veux pas dire que ça attire tout le monde, mais enfin, il y en a quelques-uns, tandis que le sport, tout ça, nous n'avons plus l'argent pour s'en occuper, il y a des clubs qui ont des fonds, des mairies, tout ça. Et donc, on a des jeunes beaucoup plus individualistes, beaucoup plus indépendants. Par contre, certains sont beaucoup plus profonds qu'autrefois. L'évangéliste Saint-Luc, que l'Église fête le 18 octobre, l'a certainement guidé dans sa retraite à Tibériade lorsqu'il y traduisit, en tahitien, le Nouveau Testament. Il l'a inspiré également par toutes les traductions liturgiques dont l'archidiocèse profite maintenant. Le père Hubert à l'époque, hein, Monseigneur Hubert, j'étais déjà à l'école des catéchistes, j'étais déjà à l'école des diacres. Et en 78, j'étais déjà catéchita en vue du diaconat. Mais comme j'étais très jeune, il fallait que j'attende. Mais ayant bien connu le père Hubert, qui était quelqu'un qui priait, mais d'une manière sèche, raide, et tout d'un coup, il m'avait confié l'école en 78 en disant « Je pars en pèlerinage, en Terre Sainte. » Et il est arrivé avant la fin de l'école. Et donc, j'ai pris la direction. Et la dernière semaine, je le vois débarquer, mais complètement un autre bonhomme, méconnaissable. Il disait la messe les bras levés, il criait des alléluia partout. Alors moi, je me dis, mais il est rendu fou celui-là, c'est pas possible. Moi qui le connaissais, bien fermé, toujours qui bougeait pas. Et là, mais c'était un renouveau
complet, une personne nouvelle que je découvrais. Et là, il a commencé, sa prédication avait changé, sa relation avait changé avec tout le monde. C'était un homme joyeux, mais joyeux d'une joie, non pas à cause de quelque chose, mais il brûlait d'une joie intérieure. Et après, il m'a commencé à dire, voilà, tu ne veux pas recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Alors moi, j'ai dit, ah non, je ne veux pas rentrer dans cette... Il dit, oh, si, si, tu vas venir. Et il a complètement insisté, et c'est comme ça, en fin de compte, j'ai fait l'effusion de l'Esprit. Vraiment, c'est dans l'Esprit que sa vocation et son ministère se sont développés et ont mûri pour le bien de toute la population polynésienne. Monseigneur Hubert, d'un cœur unanime, nous disons au Seigneur « Ad maiorem Dei gloriam » pour la plus grande gloire de Dieu. « Yahananahau e itiatu » Oui, car notre prière, c'est toujours que les années à venir soient encore plus belles.